Bon, faites vos vérifications et on y va. Le rétro, là. Ah ben voilà, c'est bon. Vous l'avez, votre permis? C'est vrai? Ben non, maniez-vous de démarrer cette tire, qu'on en finisse. Je mets le contact. Est-ce que tout le monde est bien installé? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je sais pas. Ben voilà, maintenant on y va parce qu'on a assez perdu de temps. Maintenant vous allez partir de cette zone en vérifiant les angles morts, d'accord? Ok. Oui. Ok, c'est bon pour moi. Vous voyez quelque chose, vous, de votre côté? Pardon? Vous voulez peut-être que je prenne votre place, c'est ça? Non, c'était pour meubler. Meubler quoi? Un appart? Non. Un duplex? Une chambre de bonne? Un studio, peut-être? Non, enfin, c'était pour meubler la conversation. Vous avez un copain? Oui. Il baisse bien? Quoi? Bon, on continue de meubler ou ça ira? C'est bon. Voilà. Le clignotant, je tourne. C'était quoi ça? Quoi donc? Le bruit. Bah c'est le coffre. Mais un coffre ça fait pas de bruit. Un coffre non, mais la personne dedans ouais. Mais pourquoi il y a une personne dans le coffre? Parce que je vais la tuer et après je vais l'enterrer. Et tu vas m'aider d'ailleurs. Je déconne. C'est le prochain candidat après toi. Mais pourquoi il est pas sur la banquette arrière? Parce que sur la banquette arrière, il y a mes orchidées. Mais pourquoi c'est pas les orchidées qui sont dans le coffre? Parce que dans le coffre, il y a le prochain candidat. Oui, enfin moi j'aurais mis les plantes dans le coffre. Dans le noir là, sans UV? Vous êtes une grande malade, vous. Oui, vu comme ça, oui. Bon, écoutez-moi bien. Si vous leur pétez une seule tige à mes orchidées, vous pouvez dire adieu à votre permis, d'accord? Bon. Maintenant, tournez à droite et prenez l'avenue Jean Jaurès. Moi j'aime bien les... tulipes. Oh, bon, on s'en branle. Je crois qu'on est suivi. Ah, vous voulez dire que sur la route, on peut être suivi par des véhicules? Bravo. Non, il y a vraiment un gros camion qui nous suit. Bon, accélérer. Mais c'est limité à 50... Non, mais on s'en fout, allez-y, là! Il est toujours là. Je suis sûr qu'il en a après mes orchidées. Pourquoi il en voudrait après vos orchidées? J'en sais rien, mais on va lui extirper l'information de gré ou de force. Mon Dieu, je crois qu'il fonce sur nous! Ah putain, si vous saviez à quel point on est content de vous voir. Des taxis, ça se fait rare ici. N'empêche, vous serez jamais rentable si vous fuyez les clients comme ça. Putain, mais c'est quoi votre souci, vous? On n'en a pas, pas le moins du monde, vous en avez un, vous? Absolument pas. Bon, on dirait pourtant. Mais ouais. Pourquoi vous nous suiviez là? Cherchez un taxi pour la SPA. Ah, donc vous admettez que vous nous suiviez? Non, non, à la base, on vous suivait pas. Puis on vous a trouvé. D'ailleurs, pourquoi vous avez accéléré, c'est vrai? C'est une bonne question, ça, il va se mettre sur la table. Non, mais c'était à cause de mes orchidées, j'ai eu peur. Les orchidées? Oui, mes orchidées, là, les fleurs, là. On voit bien que c'est des orchidées, elles sont juste là. Alors pourquoi vous demandez? C'est notre boulot. De quoi, de faire chier les gens? Alors, restez poli parce que vous pourriez taper de ma poigne. Oh putain, mets-toi ta poigne, je vais te la foutre si profondément dans le cul que tu vas avoir un goût de merde dans la bouche. Et après, je vais t'agiter comme une marionnette, comme ça, là. Je veux pas vous interrompre, il nous colle vraiment de plus en plus, là. Si vous voulez mon avis. Cette histoire d'orchidée a un goût de merde qui s'embrouille l'égalité. Vous en voulez à mes orchidées, hein, c'est ça? Les couilles de tes orchidées, là! Comment ça, tu t'en bats les couilles de mes orchidées? Putain, non, bah, sommes les orchidées! Je vais t'attraper, je vais t'étouffer, toi! Je vais te mettre dans le cul! Dans le cul, t'es Thank you.